Alors, voilà la face nord-ouest du Mont Aiguille. Et nous, on va passer, je pense, derrière. Salut! Aujourd'hui, je vous emmène en rando vertical. Je vais grimper pour la première fois la voie normale du Mont Aiguille. Et on est trois aujourd'hui. Il y a Marius et puis Gabriel. C'est une voie très très parcourue parce qu'elle est facile. Et puis le mont Aiguille, c'est quand même mythique. Il a été grimpé pour la première fois en 1492 sous l'ordre du roi. On voit les gens. Non, un peu plus loin. C'est fou. Ah, puis il y en a un là. Je sais pas si vous voyez. C'est très très beau. La préparation. Ok, donc il est lourd ce sac. Le sac de nuit. C'est très bien, c'est très très filmique. Attends, il y a des nœuds. Ça se dénoue, c'est bon. Là, on renvoie la corde pour le premier de cordée, qui va ensuite nous assurer d'en haut. Les bouquetins qui se prélassent dans les pierriers. Ok, bout de corde. Oui, Marius s'élance. Par là. Ouais, en fait, c'est que c'est... Attends, il y a une vrille là. Je défais la vrille. Hop. C'est un. On est au relais. Un des relais. Tu filmes là? Ouais. Moi, il me faudrait des chaussures d'approche. Ouais, c'est ça. C'est trop bien, les chaussures d'approche. Ah, j'ai vu qu'il y en avait des ultra légères. Ouais. Je trouve ça confortable même pour marcher. Ah ouais. Puis dès que tu es pion, tu sentis un peu. Bah t'es un peu aérien. Ouais. Puis, trop bien, ça passe tout seul quoi. On voit plus. Non. Les bouquetins posés dans leur royaume. Ah, c'est cool. Ok, pause vlog. Je sais pas ce qu'on voit là-dedans. C'est très grand angle là, normalement. Hop. Ah, pas du tout ça. Ah, j'aime bien les manips, c'est trop joli avec toutes les couleurs. Yeah. Tac. Donc pareil, quand j'aurais mis un autre truc, je pourrais enlever celui-là. Ok. Yes. C'est la cheminée terminale. Si tu nous donnes des indications contraires, on ne pas.
C'est incroyable d'arriver ici. C'est trop bien. C'était une trop belle ascension, assez facile. C'est très beau. On a vu les bouquetins. Là, il y a les vautours tout en haut. Comme on est lundi, il n'y a pas trop de monde. Mais d'habitude, le week-end, tu peux faire la queue en bas de la voie. Et voilà le plateau. Donc, au-dessus du. On est au sommet du Mont Aiguille. Les deux Alpes. La Meije, c'est le grand machin? Des deux Alpes en arrière, t'as un deuxième. Ah oui, d'accord. Et le grand bidule avec un petit glacier. Ah ouais. Là, on a le Trièves, nous on habite en bas. Et on voit même le Mont Ventoux là-bas, c'est incroyable. Très naturel, je me promène pieds nus. Et c'est le début de la redescente. Après, on va tirer des rappels. Tu me réexpliques le machin. Ah, c'est la classe. Attention, hein, parce que t'arrives vraiment au bout de corde. Ouais. La sécurité, les nœuds sécurité. Ouais, c'est quand même pas mal. Et voilà, sur la terre ferme. Allez là. Les alpinistes hors pair. Mais ça marche. Ah mais en fait c'est vraiment ça le problème. Je suis pas assez lourde. J'arrive pas à tirer le truc. C'est ridicule. On y va, mais je suis coincée. Regarde, tu vois bien, je tire et ça marche pas. Non mais ça, c'est... je comprends pas ce que tu fais. Mais ça, regarde, je suis en plein. Je tire dessus. Y a rien qui se passe. Et alors? Bah alors tu veux que je fasse quoi? Oui, bon là. Alors, voilà, ça va être immortalisé. Et je mets ça là. Donc, vous êtes tous témoins. Voilà, on est témoins. Là, je fais de la merde. Une gueule dessus. Bon, voilà. Désolé. Regardez. Je sais pas si vous pouvez voir là. T'es perdu, Eve. Non. Non, mais ça va là. On a l'impression que je te filme à l'envers. Attention, arrivée de fusée dans 10 secondes. Corde libre. Je viens de faire la descente au relais, c'est toujours un bazar pour mettre en place le relais. Et une fois que je suis dessus, ça fait des à-coups. Mais bon. En même temps, c'est rigolo de descendre dans le vide avec la corde. J'ai l'impression d'être une super-héroïne. La prochaine fois, on passera par la tour des Gémeaux. C'est la voie un peu plus grimpante, mais toujours accessible quand même. Qui monte là.
voilà, on est redescendu du Mont Aiguille. C'était vraiment une trop belle course. Et bah, je vous le conseille. Plutôt hors saison parce que c'est très fréquenté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont interdit le bivouac là-haut. Parce que à certains pics de fréquentation, il y avait 200 personnes qui montaient au Mont Aiguille et 50 tentes là-haut. Alors que c'est un tout petit espace qu'il ne faut pas déranger, quoi. Et voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, cette randonnée verticale. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut !